ne connaissez pas cette jeune femme. Pourtant, que vous le vouliez ou non, vous vous êtes déjà fait une opinion sur elle. Au bout d'un dixième de seconde, vous saviez déjà si vous la trouviez fiable, compétente, sympathique. Car le cerveau est un instrument magique, capable d'accomplir à l'insu de votre conscience 90% de tout ce que vous faites, que vous soyez éveillé ou non. Vous croyez avoir une idée ? Sachez que votre cerveau l'a eu bien avant que vous en ayez conscience. Prenez la deuxième phrase. Tous les mots en sont déformés. Si vous déchiffrez sans difficulté ce méli-mélo de lettres, c'est parce que le cerveau les remet automatiquement dans le bon ordre. Il vous guide inconsciemment dans le chaos du quotidien moderne. Il prend des décisions avant même que vous n'ayez eu le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre. Car le cerveau analyse les données de manière automatique. Nous sommes guidés par notre inconscient. La plupart de nos actes relèvent de lui. Les décisions que nous prenons, c'est lui qui nous les dicte. J'en viens souvent à me demander qui commande ici. Sommes-nous encore maîtres à bord ? Quelle est la part de contrôle que nous exerçons vraiment ? L'influence de notre inconscient s'exerce pratiquement sur tout. Les études récentes le confirment. La tendance n'est pas « on pensait que toutes ces choses étaient inconscientes, mais maintenant on découvre qu'elles sont conscientes ». Non, c'est même tout le contraire. Plus on avance dans nos recherches, plus la part du conscient diminue. La part du « moi » conscient dans notre tête rétrécit de plus en plus. Notre perception du monde étant lacunaire, notre cerveau reconstitue en quelque sorte les pièces manquantes. Comme ça, on peut continuer à avancer dans la vie. C'est plus simple de procéder ainsi, plutôt que d'essayer de se faire une représentation précise du monde. Notre cerveau se contente d'une estimation sommaire, parce que c'est plus rapide et qu'en général, ça fonctionne bien. Certaines personnes nous plongent sciemment dans l'illusion. Le magicien Apollo Robbins est un peu le gentleman cambrioleur de Las Vegas. Cet artiste nous rend aveugles à ce que nous voyons. Mais notre vue n'est pas concernée. C'est notre cerveau qui l'abuse. Les bons soirs, Apollo Robbins vole même la vedette à sa ville d'adoption, Las Vegas, la ville de toutes les illusions. Apollo Robbins s'est fait un nom au César Palace. Un jour, il a même fait les poches d'agents secrets de l'ancien président Jimmy Carter, qui se sont retrouvés sans montre ni portefeuille. Depuis, Apollo Robbins continue à exercer ses talents sur scène et conseille parallèlement des experts en sécurité. Quel est le truc d'Apollo Robbins ? Il joue comme un as avec les automatismes de notre cerveau. La magie, ça se passe dans la tête. C'est l'art de manipuler l'attention et d'en tirer profit. Si vous regardez ma main, par exemple, vous voyez qu'elle est vide. Je ne fais rien non plus avec mon autre main. Et puis soudain, il y a une pièce. Bref, votre jugement sur ma main était faussé. Ce qui caractérise l'être humain, ce sont tous ces signaux électrochimiques qui circulent dans notre tête. Notre boîte crânienne n'a pas d'ouverture, ce qui fait que pour accéder à l'information, on est obligé de passer par les organes des sens, la mémoire ou la connaissance. Et à partir de ça, on se fait une représentation, une simulation de la réalité qui nous entoure. Ce n'est pas que le monde extérieur n'existe pas, il est bel et bien là. Mais nous ne l'avons jamais habité, ni même visité. Le seul endroit où nous vivons, c'est à l'intérieur de notre tête. Dès que nous ouvrons les yeux au réveil, des signaux électrochimiques restituent de manière inconsciente le monde qui nous entoure.
Notre pouvoir de décision conscient se limite le plus souvent à des sujets auxquels nous avons choisi de nous consacrer. En revanche, c'est le cerveau qui fait automatiquement et inconsciemment le tri dans la foule des perceptions. Si jamais ce jeune homme croise la femme de sa vie aujourd'hui, il ne la remarquera que si son inconscient la lui signale. Les gestes routiniers, comme se brosser les dents, sont exécutés par le cerveau sans importuner la conscience. Il la sollicite uniquement pour les choses inédites et importantes. Car il suffit que 4 à 5 informations arrivent en même temps pour que notre conscience soit débordée. Pour les plus sceptiques, l'Américain Clifford Peekover a mis au point un test implacable. Choisissez un de ces symboles et comptez le nombre de fois où il clignote. Choisissez maintenant une carte. Regardez-la attentivement et répétez-en 3 fois dans votre tête la valeur et la couleur. Ensuite, concentrez-vous à nouveau sur l'un des symboles ci-dessous et comptez le nombre de fois où il clignote. Et attention, nous avons enlevé la carte que vous aviez choisie. Pas vrai? Magique? Non, nous avons simplement remplacé toutes les cartes. Voici les cartes d'origine. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est parce que votre mémoire vive était surmenée. Sans nous en rendre compte, nous occultons des pans entiers du monde extérieur. Tout ça parce que nous nous concentrons sur un objet ou une tâche spécifique. Trouver la tenue adéquate pour le bureau ou pour accueillir un nouveau collègue, un geste trivial à première vue. Il n'en est rien. En fait, de nombreux signaux électrochimiques sont alors activés dans notre tête. Selon certains experts, il serait capable de traiter simultanément 200 000 données de plus que notre conscience. Car notre conscience est limitée au cortex cérébral, une fine couche stratifiée qui enveloppe le reste du cerveau comme un bonnet de bain. En quelques fractions de seconde, près de 15 milliards de neurones du cortex peuvent former de nouvelles connexions. Mais il faut savoir que le feu d'artifice de nos pensées conscientes entraîne une dépense d'énergie supérieure à celle occasionnée par les muscles d'un sportif de haut niveau. Aussi, notre cerveau essaie-t-il toujours de s'en sortir sans notre conscience? Le tronc cérébral contrôle les fonctions vitales comme la respiration et la fréquence cardiaque. Le cervelet joue un rôle majeur dans la coordination des mouvements, notamment pour la marche ou l'appréhension. Le système limbique orchestre la ronde de nos émotions. De toute façon, notre cerveau a toujours une longueur d'avance. Car un filtre inconscient, le thalamus, décide des informations qu'il juge suffisamment nouvelles et importantes pour les partager avec notre conscience. C'est peut-être pour cette raison que nous avons aussi peu d'influence consciente sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, y compris sur notre façon de nous habiller. Avec l'aide d'Apollo Robbins et d'autres magiciens, des scientifiques cherchent à comprendre comment notre cerveau appréhende le monde. À Phoenix, aux États-Unis, ils enregistrent les plus infimes mouvements des yeux grâce à un oculomètre. Question : pourquoi les tours de magie fonctionnent-ils mieux quand la main du magicien décrit des lignes courbes plutôt que des lignes rectilignes ? Réponse : quand sa main décrit un mouvement courbe, l'œil du spectateur suit ce mouvement du début à la fin. Mais s'il repère un mouvement rectiligne, il va directement à la fin. Et il a donc plus de temps pour déceler le fameux truc. Susanna Martinez-Condé et Stephen Mechnick ont décortiqué des dizaines de tours de magie. Dans nos têtes, les illusions sont la règle et non l'exception, explique ce couple de chercheurs. Originaire de Phoenix, Magic Tony est étudiant en psychologie. Il réalise souvent des tours de magie en laboratoire. Chez les spectateurs retenus pour l'étude, le nombre de mouvements oculaires par seconde oscille entre 500 et 1000. Et pourtant, ils sont loin de voir consciemment tout ce que leur regard balaie.
car Tony détourne leur attention sur des choses sans importance, souvent en faisant mine de s'y intéresser lui-même. Car involontairement, nous regardons toujours dans la même direction que l'autre. Les magiciens utilisent souvent des petits explosifs pour détourner l'attention du public. Mais le plus souvent, ils se contentent d'attirer notre regard là où il ne se passe absolument rien, ce qui leur permet de faire autre chose ailleurs. Tony déplace la pièce avec un aimant qu'il fait glisser sous la table. Presque toute notre vie mentale est un mélange de processus conscients et inconscients qui se consolident mutuellement, notamment lorsque la motivation entre en jeu. La Bing Nursery School est une maternelle pilote de l'université Stanford près de San Francisco. Son nom est lié au fameux test du marshmallow, ou test de la guimauve, qui a eu lieu ici dans les années 70. Cet exercice, destiné à évaluer le self-control et la motivation des enfants, nous l'avons refait avec des enfants d'aujourd'hui, quitte à plonger des bambins de 4 ans dans un cruel dilemme. Dans ce jeu, il y a deux assiettes. Regarde, j'en mets un ici et deux là. Tu préfères deux guimauves ou une guimauve? Deux guimauves, ok. Deux. Tu en veux deux, c'est ça? Deux, ok. On va faire la chose suivante. Je vais sortir pour terminer un petit travail. Mais tu peux m'appeler à tout moment en appuyant sur la sonnette. Si tu le fais, tu auras seulement une seule guimauve. Si tu attends que je revienne, tu auras deux guimauves. D'accord? À tout à l'heure. Comme dans le test original, le cerveau des enfants analyse les données de manière automatique. Chacun d'entre eux développe sa propre stratégie inconsciente pour résister à la tentation. J'en veux qu'un. Ok. Tu as appuyé sur la sonnette, tu peux le manger. Nous avons une conception erronée de la volonté, qui est une attitude stoïque où l'on serre les dents pour aller jusqu'au bout de son projet. En fait, c'est la meilleure façon de le faire échouer, parce que c'est au-delà de nos forces. La solution, c'est d'appréhender l'environnement et de le transformer. La seule chose à faire, c'est de changer sa perception et de focaliser son attention sur autre chose. Les enfants qui ont passé ce test en 1970 ont aujourd'hui dépassé la quarantaine.
Au fil des années, ils ont été régulièrement consultés. Ceux qui, à l'âge de 4 ans, ont été capables d'attendre un quart d'heure, ont mieux réussi leur test d'admission à l'université. Ils gagnent aussi mieux leur vie. Ils sont plus heureux en ménage et en meilleure santé que ceux qui ont tout de suite englouti leur guimauve. Deux assiettes. Très bien. Nous avons tous terminé. Merci d'avoir joué. En réalisant certaines tâches de façon autonome, notre cerveau nous facilite la vie. Ainsi, nous pouvons manger tout en descendant les escaliers et en lisant le journal. Thé ou café ? Notre inconscient nous indique quelles sont nos préférences en matière de petit déjeuner, ce qui nous évite de réfléchir longuement à la question. En quelques fractions de secondes, il analyse une foule de données avec un degré de complexité qui dépasse de loin celui de notre pensée consciente. Et pourtant, nous ne nous rendons compte de rien, car seule la réflexion consciente nous fatigue, ce qui nous donne à penser que la raison domine le monde. Avaler des fraises au yaourt en position debout, un jeu d'enfant pour le cerveau et son activité inconsciente. Il prend aussi en charge les mouvements des pieds et des mains quand nous sommes au volant. Si nous devions en permanence être attentifs à tout, comme lors de notre première leçon de conduite, la plupart d'entre nous prendraient le train. Les accidents impliquant des cyclistes, par exemple, sont nettement plus rares dans les villes où il y a beaucoup de vélos. Car il se crée un phénomène d'accoutumance et notre pilotage automatique les détecte plus facilement. Mais dès qu'un danger nouveau apparaît, les données analysées sont transférées vers notre conscience. C'est plus souple, mais aussi plus lent. Nous vivons en permanence dans le passé. Tout ce que nous percevons de façon consciente s'est passé un tiers de seconde au moins auparavant. Cela a des conséquences concrètes, par exemple, sur nos réactions dans la circulation. En fait, nous ne percevons pas ce décalage. Nous n'avons pas conscience du travail de l'inconscient. Nous avons l'impression de vivre les choses dans l'instant. Ce que nous voyons pénètre par nos pupilles sous la forme d'un faisceau lumineux. Au fond de nos globes oculaires siège la rétine dont les cellules codent l'image sous la forme d'impulsions électriques transmises au nerf optique. 50 millisecondes plus tard, ces impulsions atteignent les cellules nerveuses du thalamus, autrement dit, le gardien de la conscience. S'il y a un danger, le thalamus n'envoie pas seulement l'image au cortex visuel primaire, localisé à l'arrière du cerveau, mais aussi en parallèle à l'amygdale cérébrale. Le pivot de la peur. Celle-ci déclenche aussitôt une série de gestes réflexes. Après seulement 150 millisecondes, on commence à se mouvoir sans savoir pourquoi. Car l'image dans notre tête est maintenant décortiquée par différents modules de manière inconsciente. Certains neurones spéciaux analysent les couleurs, d'autres les contours et les contrastes, avant de les comparer à notre banque d'images et de données fondée sur notre expérience. Du cortex visuel primaire à l'arrière du cerveau jusqu'au cortex frontal. Là, tous les éléments visuels se réunissent à nouveau et sont renvoyés au cortex visuel primaire sous la forme que nous voyons de façon consciente, un enfant courant après un ballon sur la chaussée. Une image préévaluée avec une anticipation de 300 millisecondes sur le danger. C'est uniquement grâce à ce mécanisme que Martha réussit à retenir l'enfant. Si vous dressez le pouce devant vous, avec le bras bien tendu, et que vous regardez votre ongle, celui-ci représente environ 1 degré de votre champ de vision. Si vous aviez 360 pouces, il formerait un cercle autour de votre tête. Cet angle d'un degré, c'est la taille de la fovea, la zone de la rétine où l'acuité visuelle est la meilleure. Partout ailleurs, l'acuité visuelle est bien moins bonne.
Dans la perception, notre mémoire est généralement l'organe sensoriel le plus important. Nous voyons à 99% ce qui est déjà présent dans notre mémoire. Seul 1% vient s'ajouter par l'intermédiaire des organes des sens. Notre cerveau peut falsifier l'information qui vient se projeter sur la rétine. Autrement dit, nous pouvons annuler la réalité qui nous entoure pour lui donner la forme qui convienne à ce que nous croyons. C'est très puissant. Notre monde est de plus en plus complexe. Un psychologue américain a estimé que le cerveau humain pouvait enregistrer 11 millions d'unités d'informations simultanément. Mais seules 40 d'entre elles le sont de façon consciente. Quand on visite New York pour la première fois, on est rapidement épuisé. Mais à force de déambuler dans des lieux comme Times Square, nous nous repérons plus facilement. S'il en est ainsi, c'est parce que nous gérons de moins en moins d'impressions de façon consciente. Notre cerveau occulte tout ce qu'il considère comme sans importance ou déjà connu. La moitié de votre cerveau est exclusivement occupée à traiter des informations visuelles. Si l'on ne voyait pas uniquement notre pouce avec précision, mais l'ensemble de notre champ de vision en haute résolution, il faudrait que notre cerveau soit au moins 500 fois plus gros pour traiter toutes ces informations. Mais même là, notre attention continuerait à en sélectionner de petites portions. Le test suivant a été conçu par le psychologue Daniel Simon. Attention, vous allez devoir compter les passes de l'équipe en blanc. C'est parti. Combien de passes alors ? Sachez que la moitié des personnes testées ne remarquent pas la présence de l'animal. Si vous ne voyez pas le gorille au pelage sombre, c'est parce que vous êtes trop concentré sur le problème à résoudre. Comptez les passes des blancs. Car notre cerveau décide sans la conscience si telle ou telle information doit être relevée ou non. Il est aussi à l'œuvre quand nous croisons celui ou celle qui pourrait devenir notre grand amour. Notre inconscient est responsable du présent. Notre conscience est capable de voyager dans le temps. Elle peut se perdre dans le passé comme se projeter dans l'avenir. Mais qui garde la boutique pendant que nous voyageons entre l'avenir et le passé ? Il faut bien rester attentif et s'adapter à notre environnement. C'est le travail de l'inconscient, un système ancré dans le présent. Si nous n'avions que notre conscience, dès que nous voyagerions dans le temps, nous nous ferions percuter par une voiture, par exemple. Notre inconscient gère donc le présent à notre place, et le présent est terriblement dangereux. I like to think
J'aime bien me représenter le cerveau humain comme une tour de contrôle. Si tu veux passer devant la tour à l'insu du gardien, il faut le faire au moment où celui-ci ne prête pas attention aux images des caméras de surveillance. Dans mon travail, j'essaie de m'arranger pour que les gens ne fassent plus attention à ce que leur disent leurs yeux et leurs oreilles. Tu n'as rien dans la main à l'exception de ta montre. Non. Tu crois que je peux réussir à te la voler sans que tu le vois? Non. Ok. D'ailleurs, ce serait stupide de ma part de te le dire à l'avance. Ça ne ferait que me compliquer la tâche. Bon, quelle heure est-il? 11h03. Ok. Au lieu de voler ta montre, je vais te donner un objet que je vais te dérober. Cette pièce vaut $50. Elle est en argent. Serre le poing. Tu la sens bien? Tu penses que je pourrais réussir à la récupérer? Non. Ok, ouvre la main. Voilà, c'était trop facile. Allez, reprends la pièce. Lève un peu la main, ouvre bien la paume, regarde bien la pièce. Tu l'as vu disparaître? Elle est à nouveau sur ton épaule. On va réessayer jusqu'à ce que tu la vois. Allez, encore une fois. Serre le poing sur la pièce, mais ne tire pas sur mes doigts. C'est un autre tour. Elle est sur l'épaule. L'autre épaule. Elle n'y est pas, vraiment? Ouvre la main. Reculez un peu. Merci. Pose l'autre main bien à plat sur la première. Tu vois la pièce maintenant? Fais bien attention, c'est une question de timing. On voulait boucler l'affaire en moins de 3 minutes. Elle est entre tes mains. Tu la sens? 1, 2, tu la sens? Ouvre la main. Oh, nous avons une jolie montre à la place. On a fait ça en moins de 3 minutes. Maintenant, tu peux reprendre ta montre et tu as droit aussi aux applaudissements de tes amis. Merci. Tout le monde voit bien? On va se mettre à l'aise, ok? C'est mieux comme ça, non? Maintenant, tu serres la pièce entre tes mains. Le bouton du col est fermé. C'est ta montre, n'est-ce pas? Ça ressemble à ta montre, non? Quelle histoire! C'est bien ta montre! Comment t'appelles-tu? Dan. Dan, merci pour ce beau cadeau. Tu as été merveilleux. En fait, on t'a encore volé autre chose. Ta cravate. C'est bien la tienne, n'est-ce pas? Voilà, je te la rends. On a organisé une collecte pour te remercier de ta contribution. Ça ne serait pas ton argent? Et celle-là, je l'ai trouvée dans ta boîte à cigarettes. C'est la plus belle montre de la Terre. Elle pèse son poids. Quand on fixe une lumière brillante, puis qu'on regarde ailleurs, on continue à voir une image résiduelle. Avec le sens du toucher, c'est un peu la même chose. Apollo presse la montre contre la peau de son propriétaire juste avant de la voler. Comme ça, ce dernier a encore l'impression sensorielle de la porter, alors qu'il ne l'a déjà plus. Si l'on peut se déplacer en somnambule à travers le monde, c'est parce que chacune de nos expériences laisse une trace, et donc un souvenir. Nous allons puiser dans ces archives le jour où nous rencontrons quelqu'un pour la première fois. Parce qu'inconsciemment, nous généralisons les expériences passées que nous avons faites avec autrui.
Nous avons besoin de moins de 100 millisecondes pour nous faire une opinion sur un visage que nous n'avons jamais vu auparavant. Est-il fiable, compétent, etc. Ces jugements ne sont pas forcément exacts, mais ils ont l'avantage de se façonner très vite. Alex Todorov a confronté des volontaires à des visages qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé à la conclusion suivante. La première impression se dessine tellement vite que la raison n'a pas le temps d'influencer la réaction. Des yeux rapprochés, un visage anguleux, sont ressentis comme agressifs. Les visages poupins sont classés dans la catégorie « dignes de confiance mais pas compétents ». Quand la raison s'en mêle, les observateurs deviennent simplement un peu plus sûrs de leur réaction initiale. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont dans le vrai. Les autres nous jugent à partir des traits de notre visage. C'est là la grande découverte d'Alex Todorov. Même si vous n'avez pas l'intention de formuler un jugement, votre cerveau classe le visage dans telle ou telle catégorie spécifique. Ce processus se fait automatiquement. Depuis des années, des scientifiques cherchent à programmer des ordinateurs qui réaliseraient ce que nous faisons apparemment sans effort, reconnaître un visage. Ce module spécial dans le lobe temporal droit scanne les visages. Il les fait passer au crible de nos banques de données internes en quelques fractions de secondes. Ainsi, nous sommes capables de reconnaître un ami que nous n'avons pas vu depuis 10 ans, voire même une personne que nous n'avons croisée qu'une seule fois. Une condition cependant, le visage en question doit être associé à une émotion. Plus l'émotion est forte, plus la reconnaissance se fera facilement. Nos expressions faciales sont dues à l'activation de l'un ou de plusieurs dizaines de muscles composant le visage. Si l'on passe en revue toutes les combinaisons possibles, seulement 3000 d'entre elles sont porteuses de sens. Et notre cerveau les connaît toutes. Car aux côtés du centre de reconnaissance des visages, travaille celui des mimiques, qui est chargé de capter les micro-mouvements chez l'autre, puis de les interpréter. Les informations sont ensuite transmises à la zone de notre cerveau responsable de l'empathie. Nous voyons un visage et nous croyons ressentir ce que l'autre ressent. Parce que des signaux électrochimiques circulant inconsciemment nous y poussent. C'est quelque chose que nous ne pouvons ni verbaliser, ni contrôler. Un rire franc, par exemple, est déclenché par d'autres groupes de muscles qu'un rire forcé. Pourtant, nous avons le plus grand mal à faire la différence entre les deux. Ce qui n'a pas de visage est scanné par le centre de reconnaissance des objets, ici en bleu sur l'image. Chez les autistes, c'est cette zone du cerveau qui s'active en présence d'êtres humains, et non le centre de reconnaissance des mimiques, en rouge. Pour eux, un visage est un banal objet, d'où une insensibilité aux émotions de leur interlocuteur. Nous autres, en revanche, nous avons parfois tendance à surinterpréter. Dans une étude, nous avons montré que l'apparence physique des candidats à une élection permet de prédire le résultat des suffrages à 70%, et ce, sur un simple coup d'œil sur une photo. Les personnes qui participaient à cette étude ignoraient qu'il s'agissait d'hommes politiques. Elles ne connaissaient pas ces visages. Henrik Ersson, de l'Institut Karolinska à Stockholm. Ce chercheur a réussi à prouver que les processus inconscients de notre cerveau peuvent nous jouer des tours. Dans son casque en 3D, la jeune femme voit son dos filmé par deux caméras se trouvant derrière elle. Henrik Ersson effleure la volontaire avec un objet, et il approche simultanément un objet identique des caméras. C'est là que l'incroyable se produit. Toutes les personnes ayant participé à l'étude sortent de leur corps. La sensation du contact et l'image des caméras 3D derrière leur dos finissent par se confondre. Même si la conscience des volontaires leur dit qu'ils sont victimes d'une illusion, ils ne peuvent rien y changer. Ah !
C'est juste une illusion. Nous croyons à tort que nous pouvons faire confiance à notre corps. En réalité, la perception que nous avons de notre corps est une construction mentale, comme pour tout ce que nous voyons. On gravit un cran supplémentaire quand la collègue d'Henrik Herson, Valeria Petkova, fixe les caméras sur la tête d'un mannequin. On essaie maintenant de suggérer à la jeune femme que le corps masculin du mannequin qu'elle voit dans son casque en 3D est son propre corps. Plus la personne testée réagit aux effleurements, mieux l'échange de corps fonctionne. Comment vous sentez-vous? C'était vraiment désagréable? Oui, parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était mon propre corps et que vous vouliez l'entailler. On va faire une pause. Ces illusions, impossible de s'en débarrasser. Ce corps ressemble à peu près au mien, il est à peu près à la même place que le mien. Comme les effleurements vus et ressentis se produisent en même temps, votre cerveau en conclut « oui, c'est mon corps ». Il y a une hiérarchie dans les perceptions sensorielles. Les sens les plus importants sont le toucher et le sens de l'équilibre. Tous les autres sens finissent par s'y soumettre. De même, la vue prend le pas sur l'ouïe. Vous n'y croyez pas? Laissez agir sur vous l'effet McGurk. Vous allez entendre à présent deux syllabes différentes, ba et fa. Vous réussissez à faire la différence entre ces deux syllabes, car vous associez le son que vous entendez au mouvement des lèvres. Ba, 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 ba. Pa, 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 pa. Mais si dans un instant vous faites le va-et-vient entre la gauche et la droite de l'écran, vous allez entendre ba à gauche et autre chose à droite. Il s'agit pourtant du même son dans les deux cas, ba. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Votre cerveau n'informe même pas votre conscience du conflit. Il le règle automatiquement. Même si vous deviez vous repasser ce film indéfiniment, vous ne verriez pas le truc d'Apollo Robbins. Et plus vous vous acharnerez, moins vous le verrez. Plus votre intérêt grandit, plus il devient facile de vous berner. Le jeu des coquilles ne fonctionne que si vous êtes impliqué émotionnellement. Si vous êtes simple spectateur et que vous dites « le petit poids est sous le numéro 2 », vous avez des chances de tomber juste. Mais si votre argent est sur la table, il y a un intérêt personnel. Et ça, je peux l'exploiter. Pas étonnant que notre premier rendez-vous galant nous mette les nerfs à vif. En quelques fractions de seconde, notre cerveau scanne une foule de détails. Finesse de la taille, rondeur des hanches, dilatation des pupilles, symétrie du visage, odeur, et vérifie ainsi si nos systèmes immunitaires sont compatibles. Les scientifiques savent aujourd'hui que nous tombons le plus souvent amoureux de personnes qui nous ressemblent. Nous aurions même tendance à choisir des partenaires dont la largeur de nez et le QI sont comparables aux nôtres. ...90% de notre communication émotionnelle est non-verbale. Et plus l'autre imite nos gestes et nos expressions, plus nous tombons sous le charme. Et plus nous l'apprécions, plus nous l'imitons, jusqu'au rythme de la respiration quand nous nous parlons.
Quand nous tombons amoureux, notre cerveau libère une grande quantité d'hormones. Ces hormones troublent notre perception et créent une dépendance. Ainsi, nous n'aspirons plus qu'à une chose, être avec l'autre. Contrairement à une idée communément répandue, les hommes tombent plus vite amoureux que les femmes et de manière plus durable. Mais chez les deux sexes, c'est l'inconscient qui décide, avec une bonne longueur d'avance sur notre raison. Dans le prochain épisode, vous saurez si la relation entre Martha et Jake va prendre un tour sérieux, ou si finalement elle volera en éclats. Vous regardez une femme, une partenaire potentielle, et immédiatement vous vous mettez à assimiler toutes sortes de choses. Sa façon de parler, son apparence physique. Le plus petit mouvement est intégré à des processus complexes, et à la fin, le cerveau va trancher. Acceptable, elle me plaît. C'est incroyable. Vous rencontrez quelqu'un dans le train, et une semaine plus tard, vous êtes ensemble. La semaine prochaine, deuxième partie de cette fascinante exploration des automatismes du cerveau. Et dans un instant, nous serons touchés par le rêve fou de M. Pilipenko, construire un sous-marin vert.